Nous y revoilà, nous sommes arrivés au château de la. Par où on va commencer par aller? Tiens, il y a Aaron qui se balade là-bas. Où vas-tu? Ah, il y a un fantôme derrière. Il va là-bas, faut peut-être que je le suive. Et le fantôme, il est parti. On va aller lui dire bonjour. C'est un gentil. Oui, j'arrive. Je dis bonjour. Ah! C'est un méchant en fait, il m'a fait perdre de la vie. Ok, je pensais que les fantômes de Poudlard étaient gentils. Je sais, j'arrive. Oh, il m'énerve, hein. Ce qui est bien, c'est que j'ai juste à le suivre. Parce que sinon, j'aurais pas su aller à droite, à gauche. Il y aurait du choix, quoi. Bon, bah, je vais pas tout droit, je me suis. Le méchant fantôme. Ah, oui. Deuxième étage. Ok. Oui. Je le saurais sûrement si Rogue ne m'avait pas attrapé dehors, Nick. Après, les règles existent pour une bonne raison, bien qu'elles m'échappent parfois. Vous ne devriez pas être debout si tard. Mieux vaut aller à la salle commune de Gryffondor avant que le professeur Rogue ne rapplique. Au revoir, Nick. Bon, celui-là avait l'air gentil. Il avance pas vite, Ronnie. J'avance plus vite que ça, hein. Bon, sauf qu'il se pose pas. Bon, et ensuite? Ok, bon. Ah, il est reparti en haut. Il y a des portes là. Oh, oui. Et je me fais attaquer par un livre. Bon, bah, va falloir des chocogrenouilles. Il y a où, Ron? En haut, je pense, oui. Rien, c'est grand, hein. Dans le château Poudlard de la PS1, le château n'avait pas autant d'étages, je pense. Enfin, de l'école des sorciers, en tout cas. Bon, attention, après, je touche les fantômes, apparemment. Ah, c'est faut que je dise un mot de passe ici, là. Caput Draconis, un truc comme ça. Impossible d'entrer dans la salle commune. Elle veut le mot de passe. C'est dans le film, quoi. Évidemment, je le veux. Sinon, comment savoir que vous n'êtes pas des serpentards déguisés en Gryffondor? C'est ça, on ressemble pas à des gorilles. Vous voilà, on dit que vous allez être renvoyé pour avoir foncé sur le Saulcogneur avec une voiture. On a volante. L'air mieux. On n'a pas été renvoyé. Écoute, donne-nous simplement le mot de passe, tu vois? Bon, d'accord. On se retrouve à l'intérieur. Antochère. Ah, c'est Antochère. Dans le film, c'est Caput Draconis, un truc comme ça. Ça veut rien dire, hein, bien sûr. Enfin, je pense. Pas français, en tout cas. Ok. Ça me fait penser à la Joconde, ça, mais bon, ça y ressemble pas vraiment, mais un petit peu quand même. Et là, ça me fait penser à la Reine des Neiges, un petit peu. Harry, Fred et George ont ouvert une boutique. On y échange toutes sortes de choses contre des sortilèges et des trucs déments. Waouh, il faut que j'y aille. Où sont-ils? Passe par cette porte et traverse la salle de lecture. Il y a un portrait de l'autre côté. C'est quoi le mot de passe? Liberty Gibbet. Oh, et attention à Percy. Il déteste être dérangé quand il travaille. Mais là, on dirait moi, là, sur le tableau.
Ah oui, non, pas trop quand même. C'est juste la tête, quoi. Je me demande c'est qui d'ailleurs. Si vous savez, hein, dites-moi dans les commentaires. On va là-bas. Je sens qu'il va se passer quelque chose de mal. Je sais pas pourquoi. Ah oui, faut pas. Je crois qu'il faut pas qu'il me voie. Là. Je sais pas ce que je dois faire. Hein. Enfin, je sais pas en fait si. Voilà, c'est ce que je pensais. Faut pas qu'il me voie en fait. Je sais pas pourquoi. Tiens. Où est-il passé? Je m'en doutais que c'était un passage secret. Te voilà enfin. On m'a parlé de la Ford Anglia. Maman sera folle de rage. Mais ça devait valoir le coup de voir la tête de Rod quand vous avez atterri. Ouais, si on veut. Excusez-moi. En tout cas, bienvenue dans notre boutique. Oui. Prends tout ton temps pour admirer nos merveilleuses farces pour sorciers facétieux. Nos prix sont tout à fait raisonnables. Indiqués dans la seule monnaie acceptée à Poudlard, la dragée surprise de Bertie Crochu. Tu trouveras forcément ton bonheur ici. On n'arrive pas forcément à avoir tout le texte, sur la caméra. Alors... Combien coûte la carte d'Edgar Stroger? 30 dragées surprises de Bertie Crochu. Voilà, je les ai pas. C'est qui m'a parlé? Ah, c'est Fred et Georges. Prends tout ton temps pour faire ton choix. Ah, j'ai pas assez. Combien l'escarcelle à boule puante? 20 dragées surprises de Bertie Crochu. Ah, quoique j'ai peut-être assez. Des ballons lumineux increvables. Combien ça coûte? Pas de rager surprise de Bertie Crochu. Je sais pas quoi ça sert. Et là. Combien pour une fiole de potion Wiggenwell? 100 rager surprise de Bertie Crochu. Albéric Grugnon, l'inventeur de la bombe à bouse. C'est combien? 30 rager surprise de Bertie Crochu. Moi je sais pas du tout à quoi ça sert. Fais un petit tour, Harry. Ouais, bah je vais pas. Ah oui, il y en a là aussi. Bon, je repasserai plus tard si j'en ai besoin. Ça, ça me rappelle les lavabos là dans le film. J'adore ce passage. Si tu as la moindre question, n'hésite pas. D'ailleurs, il est en plein milieu du truc. Lui. Tiens, c'est à quoi le livre là? Combien le livre du sort à l'Ohomora? 100 dragées surprises de Bertie Crochu. A mon avis, ce livre là il me servira plus. Que je peux l'acheter? Je n'ai pas assez. Mince. Prends tout ton temps pour faire ton choix. Oui, bah je vais pas faire de choix, je pense. Pas pour tout de suite. Donc là, il y a une porte. Il y a quoi d'autre dans le coin? Une toilette. Ah, ça me rappelle des souvenirs aussi de films avec l'ogre. C'est dans le 1, ça. C'est avec putain, l'école des sorciers. Avec l'ogre. Sinon, dans le 2, c'est avec Hermione là où elle se transforme en chat. Je sais pas si ça va être le cas dans le jeu. Ça me rend nostalgique. Ah, les films, je les ai vus je sais pas combien de fois. Tellement qu'ils sont géniaux. Quelque chose t'intéresse? Bah, je sais pas. Il faudrait des sous déjà. Apparemment, je n'ai pas assez. Je sais pas si je vais là. Bah là-bas y'a rien, c'est juste les toilettes. Bon, on va aller là. Est-ce que c'est ouvert? Ah, on dirait que. Non, pas ouvert. Mais genre ça dit même pas si c'est que c'est fermé. Rien de tel que les boules puantes pour se débarrasser d'un préfet. Mais je ne t'ai rien dit. Hein ouais, je pense qu'il faut. Ça veut dire qu'il va falloir que j'achète des trucs. Mais j'en ai déjà. Non, ça j'avais fait déjà tout à l'heure. Il n'y a pas de sous dedans. Quelque chose t'intéresse? Je sais pas. C'est combien le paquet de boules puantes? 20 dragées surprise de Bertie Crochu. Ouais, mais j'en ai qu'un dragé apparemment. donc je peux rien acheter. Oh, et puis j'en ai des boules puantes. J'en ai quelques-uns. On va repasser par là donc. Alors qu'est-ce que je dois faire du coup? Je crois qu'il me voit l'autre.
crois qu'il me voit et je sais pas du tout qu'est-ce que je dois faire. Mince, qu'est-ce qu'il fait là, Harry Potter? Voilà. J'étais coincé contre le mur. Retourne dans la salle commune, Harry. Ouais. Bon, il était pas content, mais ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de très méchant. J'étais coincé contre le mur. C'est ça qui m'a fait perdre des moyens. Alors par contre, je sais pas du tout... Attends, je vais regarder sur le... Fin de la journée, c'est tout ce qu'on dit. Ok. Ah, je peux finir la journée. Ben voilà, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Parce que là, j'ai rien à faire en fait. La belle chambre. Moi je hésite. Hein. C'est bien fait. Hein. Ça doit être des vieux jeux. Je trouve ça bien. Chouette. On prend des escaliers. Je sais pas où ça nous amène. Hein. Tu sais par quoi on commence? On m'a dit que c'est une leçon de vol. Oui, c'est ça. Je te retrouve en bas dans le hall d'entrée. Une séance de vol? Ça doit être le balai, ça. Le Quidditch. Moi, je visite un peu, hein. Il y a un livre, là. Est-ce que je peux le consulter? Non. Non, s'il y a des passages secrets aussi, jamais. Il y a un jeu d'échecs là. Ou c'est un jeu de dames, je sais pas. Non, ça doit être un jeu de dames, je pense. Ouais, c'est un jeu de dames. Je sais pas, il y a quoi là? Ouais, ça c'est que si je suis perdu. Pas envie de dire ça. Hein. Donc je peux passer là et je peux passer là. Donc là, c'est là où je suis arrivé. Donc on peut y retourner. Tiens, on n'avait pas vu ces tableaux là. Qu'est-ce que c'est que ça, un passage secret? Non, même pas. C'est juste un décor. Là il y a une porte. Ah là on était passé par là, on est arrivé de là. Je me souviens de ça, c'est pour ça. qui ressemble à Joconde. Ouais, là. Alors. Ah, c'est pas vrai. Je suis où là? Morvla ici. Est-ce qu'elle est encore là, la personne? Non, apparemment il n'y a personne là. Ouais, mais je sais pas si c'est normal que je revienne ici. J'ai plus la personne, certes, mais. Je vais retourner là-bas alors voir. C'est fermé à clé. Ah. Je peux plus y aller non plus ici. Bon. J'ai pas dû prendre le bon chemin. Donc là-bas, je sais pas. Là, ouais. Peut-être qu'il faut que je retourne en arrière, hein, j'en sais rien du tout. On va bien voir. Bon, les jeux, je vais remonter déjà. Ah,
Ah oui, donc j'étais arrivé là. Là, il n'y avait rien. Donc il faut que je reprenne là où il y a la Joconde, entre guillemets. Alors. Moi, je fonce sur les canapés. Voilà, c'est de ça que je parlais. Je retourne ici, je pense. C'est Serpentard, ça. Tu veux pas parler avec moi? Oh là là, il va falloir que je supporte toute une année de cours avec Gilles de Roy Lecarte. J'avais envie. Attends, encore un. Ok, faudra peut-être que je revienne ici au bout d'un moment. Donc là, il y a une porte, ok. Et là-bas, il y a des portes partout aussi. On va voir si c'est ouvert ici déjà. Non, c'est fermé. Je ne peux pas entrer par là. Ok, bon, il faut déjà aller là-bas. Coucou toi, c'est Griffondeur. Je trouve que Gilles de Roy Lecarte est un véritable aimant à sorcière. Ouais, je sais ce que je dois faire en fait, c'est aller au Quidditch. Je me fiche de ce que disent les autres filles. Moi, je trouve que Lecarte se prend trop au sérieux. Ok. Je suis pas allé voir là, pas allé voir là. Y'a rien. D'accord, vous avez des pièces comme ça où y'a rien du tout. Alors par contre, il y a des grillages là, donc ça mène peut-être à... Attendez, j'essaye de faire un zoom. Il y a peut-être un truc derrière là. Bon, demi-tour. Et voilà. Ah, une salle de classe. Je vais hésiter. Hein. Tiens, ça me fait penser au miroir magique dans l'école des sorciers. Bon, je suis tout seul à travailler. Il n'y a que moi qui est motivé. Non, il en se casse. Il y a quoi là? Ah, un truc pour sauvegarder déjà, faut faire ça. Ok, et il y en a deux portes. Je vais commencer par celle-là. Fermé. Je peux pas passer par là. Elle est là. Fermé aussi. On va aller en face. Il y a quoi ici? Une porte aussi. Waouh, vous avez vu tous les cadres qu'il y a? Je vais voir si c'est ouvert ici déjà. Ouais, non, c'est fermé. Voilà, bon. Tous les cadres qu'il y a. Je sais plus si je suis venu. Là. Je pense pas. Ah, c'est ouvert. J'ai pas abordé. Bah si, je suis venu, là. Ah bah c'est grand hein, là-dedans, hein. On s'y perd. Hein. Est-ce que les deux oiseaux là, ils me disaient quelque chose? Donc, je les avais bien vus déjà. On descend. Tiens, il y a encore un qui ressemble à la Joconde. Alors on dirait Mozart un peu sur le côté. Là, là moi on dirait, mais en plus moche. Bon, ici il y a quoi? Il y a du monde.
célèbre. Et toi? Je te donne la carte numéro 75, mon gobona, ouais. En échange de celle d'Andros l'Invincible, la 13. Je n'ai pas cette carte. J'ai pas de carte. J'en disais quelques-unes. Tu fais la collection des cartes des sorcières et sorciers célèbres? Je t'échange la carte numéro 61, Avlok Sweeting, contre celle de Norvel Tonk, la 77. Je n'ai pas cette carte. Tu collectionnes les cartes des sorcières et sorciers célèbres? Je t'échange la carte numéro 78, Orsino Thurston, contre celle de Daphna Furmesh, la 98. Je n'ai pas cette carte. Je n'ai pas cette carte. Je m'en doutais. Alors, je vais aller voir là. Ah, fermé. Non, pas par là. Non, mais sérieux, quoi. Mais c'est pas la même salle de classe que tout à l'heure, je pense. Il n'y avait pas les tapis verts. Ça doit être la salle de classe de Serpentard. Je pense. Hein. Pas sûr, mais... Presque sûr, quand même. Alors, je vais aller voir là. Non, c'était fermé ici. Je suis allé voir déjà. Ouais. Descendre. On a du monde ici. Vous parlez de cartes, vous aussi? Je trouve que Gilles de Roi de Cartes est un véritable aimant à sorcière. Ah, elle serait pas amoureuse, par hasard. Oui, si tu veux. Non, elle veut pas parler. Elle. Salle de classe, on va aller voir. Cette porte est verrouillée. Ah. Non, on peut pas y aller. Ah bah regarde. Ah t'as qu'à pas te mettre là hein. N'empêche c'est grâce à lui que j'ai vu ça. Non ça ça ne sert à rien vraiment. Et ça. Oh, c'est du Serpentard, oui. Je suis connu, hein. On se connaît même pas, ils savent que je suis Harry Potter. C'est vous, là, aussi, là, vous me gênez, bordel. Il est stylé lui. Bon. On va aller voir. Cette porte là elle m'a l'air différente de l'autre. Est-ce que c'est fermé là? Je vais aller voir ici d'abord. Vite fait. Moi hein. Ah, c'est quoi? C'est juste une classe aussi? Ouais, c'est juste une classe. Bon, on se casse. On va aller à côté. La porte est différente, il y a peut-être quelque chose là. Bureau du professeur Dumbledore. Je ne peux pas entrer. Fermé. Ok, c'est le bureau de Dumbledore. Bon, je retourne de là où je suis arrivé. C'est un vrai labyrinthe. Alors. Je sais plus si je suis allé voir ici, c'est fermé ou pas. Bon. Ah, non, je peux pas aller là. Un sous-sol. Il y a un coffre. Non, le coffre! Mince! Je suis tombé dans le trou. Enfin, dans le trou. Dans le fossé là. Il faudrait que je remonte. Il y a un coffre. Bon, on verra plus tard. Hein. Ah là là, je suis deg. Est-ce que je peux remonter? Ouais, par là, je pense.
Ah, bonjour, au secours. Vous semblez soucieux. Oh, ce n'est pas très important. En fait, Sir Patrick Delaney Potmore ne veut pas que j'adhère au club des chasseurs sans tête. Apparemment, il n'accepte que des membres dont la tête a été complètement séparée du corps. Je suis désolé pour vous. Ne vous en faites pas, Harry. Je vous l'ai dit, ce n'est pas si important. Bon, bah, au revoir. Donc, moi, je devais retourner là. Il n'y a pas grand-chose. Voilà, c'est bon. Toujours ça de prix. Numéro 98, Daphna Furmège. Ah, c'est une carte. Du coup, je retourne là. Ah, il y a des portes partout là aussi. Je vais aller voir. J'ai entendu parler de la voiture volante, Potter. Alors, tu l'as volée ou tu l'as ensorcelée? C'est pas moi, c'est Ron. Wow! Chambre du défi d'Incendio, ça m'a l'air ouvert. Et là, annexe de la bibliothèque. Et là, là, c'est pas écrit. Bah, je vais aller voir là où c'est pas écrit. Hein. il y a une porte là-bas. Là, a... Oh là là, c'est grand. Il y a un coffre là. Je vais d'abord aller voir la porte. Ah, numéro 92, Xavier Astric. Ok, merci. Je vais dire si ça se pète. Si jamais, non. Alors, il y a quoi là? Oh! En fait, on est dans les égouts là, j'ai l'impression. Je peux pas l'ouvrir ce truc. Ah, il y a les... Hop. Ah, les citrouilles là, ça me ramène de la vie. Pas que les chocogrenouilles. Mais on en a pas vu depuis un moment. Bon, il n'y a rien d'autre. Là. Là aussi. Ce jeu demande de beaucoup d'observation, de logique. Et faut fouiner partout. C'est bon, on a tous les dragés là. Non, il y en a là aussi. Parfait, celle-là. Il y a un coffre là aussi. Est-ce que je peux l'ouvrir? Non. Ah, c'est curieux ça. Pas l'ouvrir. Bon, je vais essayer un passage secret là. Si ça s'ouvre le mur, on sait jamais. Oulala. Ça se pourrait, hein. Bon, non, on se casse. Il faut fouiner partout. Bon, c'est bon. J'ai bien fait de commencer par la porte avant de monter. Alors, là, il y a encore une porte. Sinon, je peux aller tout droit aussi. Je vais aller voir la porte.
ça se casse pas, ok. Oula. Une tortue. Hop. Ah oui. Je vais protéger ça. Ok, ok. Numéro 43, Cyprien Yudel. Faudrait que je retourne parler aux camarades là pour ça, du coup, je pense. Oh là. Je m'en doutais qu'il allait reprendre connaissance avant que j'ai le temps de partir. Il y a quoi là? Rien. Là, il n'y a rien. Oh. Il se déflamme. Je m'y attendais pas. Hein. Oh. Non, je perds plein de trucs là. Non. Ah, c'est pas vrai. On se casse. Et vite. Casse. Non. Ah, j'ai perdu je sais pas combien de trajets là. Oula, il y en a... Oh, bobo, il y en a plein là, il y en a plein ici. Hein. Il y a des Pokémon. Tiens, hop. Bon, on va être plus prudent. J'en avais 30 et il me reste 29 là, super. Mais genre, je peux pas les tuer. Non, je peux juste faire ça le temps de passer en fait, c'est tout. Ok. Donc là, on arrive. Que j'aime bien aussi, c'est qu'on entend des petits bruits, des trucs qui craquent, un peu comme si c'était hanté. Bah, c'est hanté de toute façon, parce qu'il y a des fantômes. Je collectionne les cartes des sorcières et sorciers célèbres. Et toi? Oui. Je te donne la carte numéro 75, Mongo Bonham, en échange de celle d'Andros l'Invincible, la 13. Je sais pas si je l'ai. Je n'ai pas cette carte. Je pensais que je devais aller au Quidditch, moi, pour chercher des cartes. Donc il y a une porte là et là-bas aussi. C'est une classe. Bah, j'étais venu tout à l'heure sinon. Tout tapis vert, tout ça. Tiens, hop. Ouais, c'est tout. Je ne peux pas entrer. Ah, mais je suis venu ici, il me semble, alors. Mais là où il y avait les tortues, là, il y avait un coin où j'étais pas allé, là. Il me semble. Est-ce que je peux y retourner? Oui. Attendez, est-ce que je vois rien du tout, là? Qu'est-ce que je fais? Ok, là. Est-ce que j'étais pas allé? Ça, je suis allé. Attends, je vais regarder, j'ai vu. Je suis pas sûr, mais il me semblait qu'il y avait un coin où j'étais pas allé. Non, si j'étais allé. Ok, bon. Il y a des trucs là, je parle. Ouais. Je vais lire aussi ce que je dois faire exactement là.
Retrouver Ron dans le hall d'entrée. Suivre une leçon de vol avec Madame Bibine sur le terrain de vol. Oui, donc ça, c'est le Quidditch. C'est bien ce que je disais. Donc en fait, faut que je trouve Ron. Bon, en attendant, on visite. Hein. Moi, je trouve des objets, des cartes, tout ça, là. Là, je suis au combien, là, deuxième étage. Premier étage, donc. On va visiter ici, puis on va y aller après. Hein. On dirait Peter Pan, mais en version fille. Ou version cheveux longs. Peter Pan et des cheveux longs. Alors, je sais pas par où commencer. On va commencer par là, cette porte-là. Visiter. Ici. Ah, c'est encore un coffre verrouillé. Il y a deux portes là et après ça ramène aux escaliers. Ok, bah écoutez, je vais commencer par là. Mieux commencer quelque part. Ah, fermé. Je peux pas passer par là. On va peut-être y aller plus tard. Ah, fermé aussi. Ok. Bon, moi, comme ça, c'est clair. On va descendre. Cette porte ici. Hall d'entrée. Ah, c'est là. On va y aller tout à l'heure. Visiter ici, là. Voilà. C'est quoi ce bidule là? Ça s'ouvre pas. Je sais pas c'est quoi le truc vert là. Non bah je suis allé voir partout, vous voyez là. Go. Là normalement on va retrouver Ron. Cette année. Ah bon. Ok. Une petite sauvegarde. Ensuite, on va aller. Ah, on dirait qu'ils sont là-bas en train de m'attendre. Et je suis pas allé là-bas non plus. On ira plus tard. Ouais, parce que c'est là que je suis concerné. On dirait que c'est Ron. Ouais, c'est lui. Madame Bibine nous attend. Ouais. Comment il me le dit ça? Bah c'est vous, Madame Bibine. Bon, ça c'est pour les dehors. Parc de Poudlard. Est-ce qu'on peut y aller là? Ouais. Parce que le Quidditch, je pense que c'est dehors. Hein. Ça me rappelle l'autre Harry Potter là. L'autre Harry Potter. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Je suis sur le bout de la langue mais. Mmh, je regarde les décors là. Et où Madame Bibine donc? Oui, je te parle. Bon, il faut pas que je tire sur les griffons d'or, hein. C'est plutôt sur les serpentards. Bon, on va continuer tout droit. Il y a des chemins aussi sur les côtés, mais je pense que. Eh, ce serait pas la maison d'Hagrid là-bas là? On dirait la maison d'Hagrid là-bas, sur la droite. À gauche, bah, je sais pas.
Bon. Regardez là. Serre de botanique 3. On va y aller. Je sais pas si c'est là où elle est, Madame Bibine. Ah, Madame Bibine, c'est avec les plantes. J'ai cru que c'était pour faire du Quidditch, moi. Et j'ai confondu avec l'autre professeur. Ah, oh, c'est les plantes qui crient dans les oreilles et tout, là. Percent les tympans. Et ben, elle nous voilà en plein stage horticulture. Je fouine, hein, j'ai peut-être trouvé des trucs. Ouais, j'ai rien. Ici, il n'y a rien. Il y a une vitre de cassé ici. Je m'attarde sur des petits détails. Non, mais c'est bien parce que les développeurs, ils ont pensé à mettre des choses. Parce que, bah non, je peux pas entrer. Ah si. Je pensais que je pouvais pas, mais si. Y'a rien, il y a des plantes. Une grosse racine là qui est. On dirait une main d'ailleurs. Trois doigts là qui essayent de pénétrer dans, dans la serre. Aussi une petite vitre cassée là. Bah je rentre hein, même si ça sert à rien, on sait jamais si je tombe sur, sur une belle surprise. Enfin, si c'est une mauvaise surprise. Il y a pas d'objet là. Apparemment. Ça m'a fait peur. Oh les gars, j'ai sursauté. Hein. Je vous jure. Dommage qu'il n'y a pas de facecam. Je vous jure, j'ai sursauté. Vous avez rigolé. J'ai bien sursauté. Hein. Ouais, c'est pourtant pas un jeu, de, un jeu d'horreur. Hein. C'est pour sursauter. Ouais, il y a un truc qui brille. Mais j'ose pas y toucher du coup. Ah, c'est sûr. Du coup, j'avais peur que ça m'attaque. Bon, ça c'est quoi? Je peux pas y toucher. Ah si, je me disais aussi. Ok. On s'enlève ça ou quoi? Si je fais ça. Ça fait rien du tout. Bien que ça fait rien. Et si je fais ça, après je vais gaspiller. Ouais bah je vais gaspiller. J'ai jeté une bombe puante dessus. Il y a quoi dedans? Par des plantes. Je sais pas si je dois aller dedans. Moi je vois rien par des plantes. Hein. Mais c'est bizarre quand même. C'est là qu'il faut que j'aille, non? Attends, je vais regarder sur le. Je sais pas si ça m'a aidé plus que ça. Mais... Ah j'ai ça. Une carte. Ok. Suivre une leçon de vol avec Madame Bibine sur le terrain de vol. Bah. Donc j'ai rien à foutre dans les plantes, c'est bien ce que je pensais. Bon, on part, donc on va. Ah, j'ai vu un truc marqué là. J'ai rêvé ou j'ai vu un truc là? J'ai cru voir écrit ramasser. Ah, je suis pas sûr. Moi je pense que j'ai rêvé. Bon.
Ça y est, je perds la tête. On m'a ensorcelé. Bon, 2 minutes. C'est un peu à Versailles. Hein. Bon, il n'y a pas de fontaine d'eau par contre. Et ça mange des fleurs. Ah, ça s'appelle une ellipse, ce qu'on vient de voir. C'est un terme cinématographique. Je vais retourner sauvegarder, on va se retrouver à la prochaine partie, les gars. Pour pas que les épisodes durent trop longtemps. Voilà. On se retrouve au prochain épisode. Salut !